sino que leen mo jël ñu fi leen bu suba ak rek moy lool dañu koy sétal Du nouveau à Kandiala, une toute nouvelle rue du nom de Boaké est née à Gigenchor. Les États-Unis d'Afrique est possible. Après invitation en Côte d'Ivoire du maire de Gigenchor, M. Abdoulaye Baldé à Boaké et de toute sa délégation, Gigenchor accueille à son tour son hôte, le maire de Boaké, M. Djibo Youssef Nicolas, accompagné d'une très forte délégation à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle rue Boaké à double voie d'un éclairage extraordinaire d'après les habitants. Micro central assuré par l'incontournable doyen M. Abdoulaye Sidibé. Sous les yeux des invités, autorités et assistants, un plateau d'artistes folkloriques traditionnels leur a été offert. Pour enfin terminer au lendemain par un concert d'une sono inédite du matériel lourd. Reportage sur Silaba TV. Thank you.
sur les bancs, s'il vous plaît, libérez ce vieux courant parce que le carnaval va passer par là. Mettez-vous sur les bancs, s'il vous plaît. Allez, 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 de la Côte d'Ivoire. Quant à moi, beaucoup d'étudiants me prenaient pour le fils de feu à Blaise Fofana, à l'époque ministre du gouvernement du feu, son excellence l'école Cédar Senghor. Et au moment où je vous parle, j'ai un homonyme dans le gouvernement sénégalais qui répond au nom de Abdul Karim Fofana. Comme moi aussi, je suis Abdul Karim Fofana. Il ne faut pas aller chercher loin. Nous sommes tous du même fagot. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Vous avez donné naissance à un outil très précieux qui est ce jumelage. Monsieur le maire, malgré vos innombrables préoccupations, vous venez par cette humble action nous prouver que cette ville, les villes ne peuvent pas se déplacer, n'ayant ni pied ni roue. Mais Jigenshor réside à Boaké et Boaké réside à Jigenshor par la nomination de cette rue. Il vous reste à faire l'essentiel. Concrétiser cette action par des investissements de part et d'autre, afin que les populations sénégalaises et ivoiriennes puissent en bénéficier. Nous, en tant que ressortissants ivoiriens, nous avons plein espoir en ce qui concerne les investissements, comme les Sénégalais résidant à Boaké nourrissent ce même espoir.
I'm not going to do that.